Mesdames, Messieurs de la presse, est-ce qu'on peut commencer? Nous vous attendons. C'est bon? On commence? Pas encore? Bonjour, je prends attention. Un, deux, trois, vous avez le caméra. Présentons. Vas-y. Oui, tu peux compter déjà. Mesdames, Messieurs, déclaration des partis politiques regroupés au sein du Front des partis politiques pour la justice et l'équité. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, chers compatriotes, le 30 août 2023, le comité de transition pour la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a pris le pouvoir sous prétexte d'éviter l'aubaine des sangs programmée par le Parti démocratique gabonais qui préconisait un énième coup d'État électoral. Cet acte soutenu majoritairement par le peuple gabonais et par l'ensemble des forces vives de la nation a suscité l'espoir et l'espérance de nature à rompre avec le régime Bongo PDG. Mais 30 jours après la prestation de serment du président de la transition, chef de l'État, force est de constater, à l'épreuve du temps, voudrais-je dire à l'épreuve des faits, que tous les engagements pris contenus dans son discours à la nation sont contradictoires à en juger par la série des actes posés notamment. Je citerai entre autres. 1. L'élaboration et l'adoption unilatérale de la charte. 2. La non-application des dispositions de l'article 60, la dite charte, prévoyant sa mise en vigueur après son adoption par toutes les forces vives de la nation. 3. La nomination des membres du bureau des deux chambres du Parlement, en l'absence de la nomination des parlementaires. 4. La nomination des parlementaires sans consultation de la classe politique nationale en dehors des procédures régulières. 5. La part belle faite au PDG par la nomination au Parlement de 91 membres sur 168 représentant 80% des sièges, lui donnant ainsi une large majorité au Parlement.
6. La part d'air accordée à 4 partis politiques, que sont le PDG, 91 membres, l'Union nationale, 17 membres, les démocrates, 4 membres, et réagir, 3 membres, pour ne citer que ceux-là. 7. La composition du gouvernement avec le retour en force des anciens Irak du PDG, en violation de l'article 44 de la Charte de la Transition. 8. La nomination de haut représentant du président du CTRI, issu du PDG. 9. Les nominations au dernier conseil des ministres de plusieurs cadres également du PDG, dont la plupart seraient en violation, seraient dans une posture d'immoralité dûment constatée, en violation du chapitre 1er et de l'article 1er de la Charte. La classe politique constate pour le regretter et que toutes les nominations précitées ont été faites en violation des pouvoirs discrétionnels dévolus au président de la transition. Devant ce constat, le CTRI serait-il venu restaurer le PDG en marginalisant les autres partis politiques légalement constitués dans le principe en changeant pour que rien ne change pour le maintien de l'ordre ancien? Nous sommes en droit de nous interroger. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le président de la transition s'est constitué une majorité de fait en excluant dans sa gouvernance les partis politiques signataires de la présente charte, de la présente déclaration, voulais-je dire. Nous attirons l'attention de la communauté nationale et internationale sur les conséquences de ces choix qui risquent d'entacher le bon déroulement de la transition. En conséquence, nous nous réservons le droit d'entreprendre toute action possible pour la restauration de la justice et l'équité par les voies démocratiques. N'ayant pas été associé à la confection des listes des parlementaires conformément à l'article 46 de la charte de transition, nous réclamons la destitution. Oui, j'ai dit. Nous réclamons la destitution des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, tous issus du PDG, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs nommés à marge de la légalité. Tel est, Madame, Monsieur, le sens de notre déclaration. Je vous remercie. Nous nous mettons à la disposition de la presse pour des éventuelles questions. Je voudrais déjà vous informer qu'il ne serait pas gênant que je puisse donner la parole à certains collègues qui sont ici, qui ont aussi une expertise et certainement des éléments de réponse en fonction des questions que vous allez devoir nous poser. Donc nous sommes ouverts et nous sommes à votre entière disposition pour des éventuelles questions. Chaque organe de presse, bien entendu, voudra bien se présenter pour que nous sachions à qui nous avons affaire. Il ne faut pas que ce soit des questions anonymes. Oui? Oui? Bon. Mais c'est pas ce que nous avons dit, hein? Si on en convient. Ça voudrait dire que le message est bien passé et que les médias ont bien écouté et qu'ils vont bien relayer ce message. Je vous remercie. C'est une déclaration. Donc, si vous estimez que vous avez été dit, je voudrais tout simplement vous remercier et dire que les partis politiques signataires de cette déclaration. Et je préfère vous le dire, entreprendons dans les jours qui suivent un certain nombre de démarches, mais vous serez informés le moment opportun. Dès demain, nous allons entreprendre des actions, des initiatives qui sont déjà ciblées, et comme je venais de le dire tantôt, vous serez informés au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à Libreville,
Nous irons même à l'international. Oui. Pour l'instant, nous avons recensé une quarantaine présents dans la salle. Voilà. Donc l'initiative va se poursuivre à l'intérieur. Et bien entendu, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vous avez établi un calendrier. Il y a un calendrier qui a été arrêté de commun accord. Voilà. Et vous serez informé. On avance une zigoumon fondé. Tu veux, tu veux. Avant, je n'ai pas mes lunettes. C'est bon? Bon collègue.